Arrivé à la chapelle Saint-Michel, au-dessus de Gignac. Ça fait un moment que je la voyais de l'autoroute. Là. Un bail, au moins 20 ans, l'autoroute est juste en dessous. On va aller faire des voitures là-bas. Et chaque fois, je voyais cette bâtisse là qui a été un peu retapée il n'y a pas longtemps. On voyait les travaux. Et donc aujourd'hui, je viens voir en VTT ce qui se passe. C'est joli, hein? Les pierres sont lisses, toutes propres. On voit que ça a été rénové. Bon, là, je suis à pied. Je monte par l'escalier qu'on vient de voir. Hein. Je visite comme vous. L'autoroute est là. C'est l'autoroute, c'est la 55 qui passe à Martigues, Foss et qui va en Espagne. En plus, il y a des jolies collines derrière. Hein. M'étonnerait qu'on puisse rentrer quand même. C'est marrant, on voit ces pierres-là et celles-là. C'est pas du tout les mêmes. Hein. Là-bas, Marignane-Vitrolles. Martigues, là-bas au fond. Et l'entrée de la chapelle. Un gros verrou. C'est un peu travaillé là. Et je vais faire le tour. Et ben le tour ça va être vite vu parce que là on peut pas passer. Non, ça passe pas. Par contre moi après je vais filer là-bas, le ras de la falaise en bas, comme ça, et remonter sur le plateau là-haut et aller sur le Rove. Joli coin par là, hein, c'est la première fois que je viens. Là-bas, il y a un reste de fortification où j'ai pris des photos tout à l'heure du mur quand j'étais en bas dans la vallée. C'est ce mur-là. Bon, voilà, ben, je vais prendre 2-3 photos puis je file.